أجد السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous poursuivons sur le thème de l'éducation morale de nos enfants. La fois dernière, nous avions vu ce qui relève de la véracité, ce thème où il est question de parler avec franchise, de dire toujours la vérité, de se comporter avec droiture. Et en fait, aujourd'hui, nous abordons le second thème qui est celui de la correction du langage. Il est important de corriger notre langage, de veiller à écarter tout usage fautif, que ce soit, comme nous l'avions vu, le mensonge, mais aussi les injures, les grossièretés, les mauvaises paroles, les paroles blessantes. Il est important donc d'enseigner à nos enfants de faire le meilleur usage de la parole. Et pour arriver à cette fin, eh bien, il y a quatre choses qu'il faut mettre en avant. La première, c'est qu'il faut ramener nos enfants aux sources de l'islam, au Coran et à la Sunna. Par exemple, vous avez le hadith suivant qui nous dit, selon Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive certes que le serviteur dise une parole qui entre dans l'agrément de Dieu et à laquelle il ne prête pas attention, parole par laquelle Dieu l'élève en degré au paradis. Et il arrive certes que le serviteur profère une parole qui entre dans la colère de Dieu et à laquelle il ne prête pas attention, parole par laquelle Dieu fait en sorte qu'il tombe dans la gêne, dans le feu de l'enfer. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc il faut se rendre compte de ce que cela signifie. On dit une parole, on n'a même pas fait attention à ce que l'on a dit. Au jour du jugement dernier, on va se retrouver devant notre Créateur. Cette parole entrait dans son agrément et nous sommes élevés ainsi dans les degrés du paradis. Et puis, je peux me trouver dans une autre situation où je dis une mauvaise parole, je ne fais même pas attention à ce que je dis. Cette parole est injurieuse, cette parole peut être mauvaise, peut être blessante, quelque chose qui n'entre pas dans l'agrément d'Allah, qui entre dans la colère de Dieu, et au jour du jugement dernier, eh bien, je serai précipité dans le feu de l'enfer. Donc cela nous montre à quel point nous sommes responsables des mots que nous pouvons proférer, du discours qui peut être le nôtre. Et cela, c'est la première attitude à avoir avec nos enfants, c'est de les ramener à ces textes, de leur faire comprendre l'importance de la chose. Deuxièmement, eh bien, il faut faire attention à les corriger, à corriger leur langage chaque fois qu'ils profèrent, qu'ils prononcent des gros mots, ne pas admettre que cela devienne chez eux une habitude. Troisièmement, il faut également tenir compte de leurs compagnons, les camarades qu'ils ont autour d'eux. Les parents sont responsables d'orienter leurs enfants dans le choix des camarades, de camarades ou d'amis qui soient pour eux un modèle ou en tous les cas qui ne vont pas les entraîner justement à utiliser une forme de discours de langage qui est vulgaire et qui est nuisible. Et en ce sens, notre prophète a une très belle parabole qu'il donne dans l'un de ses hadiths où il nous dit ceci. Il en est de celui avec qui tu t'assois et qui est homme de bien ou de mal, comme du porteur de musc et de celui qui actionne le soufflet du forgeron. Celui qui porte le musc, soit il t'en fera don, soit tu en achèteras, soit tu en sentiras la bonne odeur. Quant à celui qui actionne le soufflet du forgeron, soit il brûlera ton vêtement, soit tu sentiras une mauvaise odeur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Nous sommes responsables des fréquentations de nos enfants. On ne peut pas les laisser aller ainsi à droite, à gauche, surtout lorsqu'ils sont très très jeunes, puis s'étonner de les voir revenir à la maison avec un vocabulaire qui n'est pas convenable. Donc il faut se rappeler ce hadith et puis chercher pour eux le meilleur entourage, les meilleurs camarades et faire en sorte qu'ils soient disciplinés au niveau de la parole. Et puis enfin, bien entendu, quatrièmement, il faut que les parents eux-mêmes s'interdisent d'utiliser ce type de langage, les propos grossiers et malpolis, injurieux,
toute parole blessante, parce qu'on ne peut pas prétendre inculquer aux autres des règles qu'on n'applique pas soi-même. Et cela, c'est une règle fondamentale au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducation de nos enfants. Voilà quelques observations que l'on peut faire. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent la meilleure voie, qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il unisse nos cœurs et qu'il fasse en sorte que nous suivions les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. راض الغيوم جمالا.